Chers enfants, une famille qui prie a la paix. Une famille qui ne prie pas n'a pas la paix. Queridos hijos, una familia que reza tiene paz. Una familia que no reza no tiene paz. Quand la Vierge parle de la paix, elle parle de la vraie paix de Dieu, celle que rien ni personne ne peut ravir. Y cuando la Virgen habla de paz, habla de la auténtica paz de Dios, es decir, la que nadie ni nada puede quitarnos. Parce qu'on peut très bien ne pas prier et passer quelques années dans une certaine tranquillité humaine. Porque uno puede perfectamente no rezar y pasar unos cuantos años en una tranquilidad humana. Mais qu'est-ce que c'est que la tranquillité humaine? Ce n'est que des choses qui vont disparaître un jour ou l'autre. Pero ¿qué es la tranquilidad humana? Son sencillamente cosas que tarde o temprano desaparecerán. J'ai un bon travail, ça peut partir. J'ai une bonne santé, ça peut partir. J'ai une bonne épouse, elle peut me quitter. J'ai une bonne maison, ça peut partir. Tout ça, c'est des choses qui peuvent m'échapper et qui m'échapperont de toute façon un jour. Puedo tener un buen trabajo, se me puede ir. Tal vez tenga una buena esposa, se me puede ir. Tal vez tenga buena salud, puede irse también. Es decir, son una serie de cosas que tarde o temprano pueden irse. Non, la Sainte Vierge donne la vraie paix que rien ne peut nous enlever. La paz que quiere darnos la Virgen es la auténtica y nada puede quitárnosla. La Sainte Vierge nous a appelés à prendre du temps chaque jour en famille pour prier ensemble. La Virgen nos dice que reservemos, que le dediquemos tiempo en familia todos los días para rezar juntos. Elle a dit, mettez Jésus à la première place dans vos familles, chers enfants. Y dice, poned a Jesús en el primer lugar de vuestras familias, queridos hijos. Et cela, je donne ce message en ayant tout à fait conscience que cela, pour la plupart des familles ici présentes, va demander un grand sacrifice au début. Y este mensaje lo doy siendo muy consciente de que para la mayoría de las familias que están aquí hoy va a requerir un gran sacrificio al principio. Porque en beaucoup de familias es la televisión que ha reemplazado la familia, la prière en familia. Porque en muchas familias es la televisión la que ha sustituido la oración en familia. Ce qui génère évidemment une absence de dialogue et une froideur. Lo que genera, por supuesto, ausencia de diálogo y frialdad. Pour d'autres familles, c'est l'internet, c'est le sport. Para otras familias será internet, será el deporte. Ou c'est le travail, c'est la beauté physique, la sexualité peut-être. O el trabajo, o la belleza física, o la sexualidad tal vez. Ou ça peut être le jeu dans au casino ou des activités semblables. El juego en el casino o actividades similares. Ou ça peut être la nourriture o la comida. Ou les amis, ou les distractions. O las amistades, o las distracciones. Peu importe. La Sainte Vierge nous demande de faire un sérieux déménagement dans nos maisons. Poco importa lo que sea. El caso es que la Virgen nos pide que hagamos una gran como mudanza en nuestra casa. Parce que mettre Jésus à la première place, ça veut dire enlever ce qui est aujourd'hui à la première place et le déplacer. Porque poner hoy a Jesús en el primer lugar implica retirar lo que está en primer lugar para que Jesús venga a sustituirlo. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce sacrifice? ¿Estáis dispuestos a hacer este sacrificio? Pardon, j'ai pas entendu. No oigo. Oui? Vraiment, vous n'allez pas le regretter. No os vais a arrepentir. Est-ce que vous le croyez? ¿Creéis que realmente nos vais a arrepentir? Vous savez, la Sainte Vierge, quand elle nous parle, elle nous dit des choses qui nous donnent vraiment la vie et la joie. Fijaos, cuando la Virgen nos habla, nos dice cosas que realmente nos dan la vida y la alegría. Mais si nous avons pris un chemin différent avant, ça demande un changement qui est coûteux au départ. Y si antes hemos cogido un camino diferente, pues al principio el rectificar el camino cuesta al principio. Mais plus vous faites vite ce changement, moins il sera difficile à faire. Si vous le faites dans 10 ans, peut-être ça sera beaucoup plus difficile. Pero cuanto antes hagáis este cambio, menos os costará. Si lo hacéis dentro de 10 años, pues tal vez ahí ya os cueste mucho más. La Sainte Vierge aime beaucoup le rosaire. Y a la Virgen le gusta mucho el rosario. Alors, en deux mots, le rosaire, c'est prendre les yeux de Marie
et entrer dans sa contemplation de Jésus. O sea, en dos palabras, rezar el rosario es, con los ojos de María, entrar a contemplar a Jesús. Et alors, si vous faites ça, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est extraordinaire, phénoménal. Si lo hacéis, es fantástico, es fenomenal. Parce que nous devenons ce que nous contemplons. Porque nos transformamos en lo que estamos contemplando. Et petit à petit, à chaque nouveau mystère, c'est comme si vous receviez une injection de la vie de Jésus en vous. Y con cada nuevo misterio, poco a poco, es como si recibiéramos una inyección de la vida de Jesús en nosotros. Alors Jésus va grandir dans votre cœur. Jesús irá creciendo en vuestro corazón. Au cœur de votre famille aussi. En el corazón de vuestras familias también. Et comme Satan a horreur de Jésus, qui ne peut pas le supporter. Y como a Satán le espanta Jesús, no puede soportarlo. Que Jésus l'a vaincu à la croix. Porque Jesús lo venció en la cruz. Alors si il vient pour vous détruire et qu'il voit la présence de Jésus vivant, il est complètement désarmé. Si viene a destruiros y ve que en vosotros está la presencia de Jesús vivo, se desarma, queda desarmado. Satan est terrorisé par une personne qui prie avec le cœur. Satán queda terrorizado por una persona que reza con el corazón. Satan est terrorisé par ces petits là qui sont devant, qui ont 6, 7, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, et qui prient. Parce que la prière le brûle. Satan está aterrorizado por estos pequeños que tienen 7, 8, 9 años, no sé, porque la presencia, la oración le quema. Disons qu'une famille qui prie ensemble, c'est une famille qui construit une barrière pour se protéger de l'ennemi. Y digamos que una familia que reza junta es como una familia que se construye una barrera para protegerse del enemigo. Satan va arriver, va voir l'obstacle et il va repartir sans pouvoir vous nuire. Satan va llegar, va a ver que está ese obstáculo y tendrá que marcharse sin poder haceros daño. Mais si cette famille ne prie pas, où est la barrière? Pero si esta familia no reza, ¿dónde está esa barrera? Pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle pour lui. No hay obstáculo para él. Il va arriver pour vous détruire et il va rentrer comme dans son appartement privé. Vendrá a destruiros y podrá entrar como si fuese su piso privado, su casa privada. Et il pourra faire tout ce qu'il veut chez vous. Y podrá hacer lo que le dé la gana en vosotros. C'est comme ça qu'on voit des très belles familles qui s'entendent bien, naturellement, qui vivent selon la nature, tout va bien, puis un jour, super choc, ils sont en train de divorcer. Y así es como se ven familias que viven muy bien, que viven con naturalidad, de forma natural y tal. Y un buen día, pues, la sorpresa total, se están divorciando. Alors, je vous donne ce message parce que aujourd'hui, pour nos familles, et surtout dans un pays comme l'Espagne où les lois vont à l'encontre de la famille chrétienne, c'est une question de vie ou de mort. Y os doy este mensaje para la familia y sobre todo para aquí, para España, donde las leyes van en contra de la familia cristiana. Y este mensaje es un mensaje de vida o de muerte. Prenez-les, ces messages. Acoged estos mensajes. Ça va vous coûter au début, mais vous ne le regretterez pas. Al principio os va a costar, pero no os arrepentiréis. La Sainte Vierge a dit, vous allez voir avec la prière en famille, vous verrez les miracles de Dieu dans votre vie. Y dice la Virgen, con la oración en familia, veréis los milagros de Dios en vuestras vidas. Des miracles de ce type, j'en ai vu énormément depuis plus de 18 ans que j'habite à Medjugorje. Y milagros de este tipo he visto muchísimos desde los 18 años que llevo viviendo en Medjugorje. Ceux qui décident de prier en famille voient les miracles de leurs yeux, ils les touchent. Los que deciden vivir en familia ven los milagros con sus ojos, los tocan. Les protections, les obtentions de grâce, les portes qui s'ouvrent par miracle. Ven esas, las protecciones, la obtención de gracias, ven puertas que se les abren como por milagro. Les guérisons. Ven sanaciones. La Sainte Vierge a dit que la paix et la joie reviendront dans vos familles lorsque la prière reviendra dans vos familles. Dice la Virgen que la paz y la alegría volverán a vuestras familias
cuando la oración vuelva a vuestras familias, queridos hijos.